Bonjour les amis, bienvenue sur Oxygène Not Included pour le quatrième épisode. Alors, je m'aperçois que les plantes ont du mal à pousser. Pourquoi? Eh bien, parce que il y a une histoire de pression. Ah oui, oh là là, on n'a pas du tout assez d'oxygène. Donc, il va falloir que je mette quelque part, je mets en pause. Il faut que je mette Ouais, ben ça, hein, j'ai pas trop le choix. Je le mets ici, comme ça il sera centré, ça repoussera un petit peu. Vous voyez, l'ambiance est pas top. On a quoi ici? On a un petit peu d'oxygène. Oxygène, gaz naturel. Dioxyde de carbone, oxygène. Ouais, il y a de l'oxygène, mais la pression n'est pas suffisante. Donc, on va rajouter cet appareil-là. Est-ce qu'au niveau électrique, je crois qu'on est largement bon. Là, on est à 420 watts. Ok. On va le mettre ici. Et je vais rajouter, voilà, le câble électrique là. Voilà, alors on va vite le faire quand même. On le met à 8. Voilà. De façon à ce que on remonte à l'oxygène un petit peu le truc. Donc là, j'ai mis un 6, celui-là. Eh ben, celui-là, je vais le mettre aussi en 6. Tiens, j'ai un nouveau duplicant disponible. La nourriture, c'est un peu juste. Au niveau du stress, on est à 25%. Allez, on le met à 6. Voilà. Ça serait temps que, voilà, on fournisse un peu plus d'oxygène parce que c'est pas top. Voyons qu'il nous envoie. Il nous faudrait un artiste. Cuisine 7. Ah, j'ai un super cuisinier là. Cuisine force Marie. Voilà, oh, pas mal. Ne peut pas creuser. Ah, destructeur, mangeur compulsif et. Ah, créativité niveau 5. Un artiste. Pleurnichard. Athlétisme, créativité, narcoleptique. Oh, encore? J'ai que des narcoleptiques. Bon. On va faire comme ça. Je prends Harry. C'est un nouveau, je crois. Harry, on l'imprime. Bienvenue au club, mon gars. Alors, toi, tu es un artiste, on a dit. Et on va te mettre à l'œuvre assez rapidement. Alors, Harry. Ok, tu vas aider. C'est quoi? C'est pour aider, ça? Ouais. Compost, on va dire, ouais. Énergie, non. Désinfecter, oui. Réparer, oui. Nettoyer, récolter. Ah, récolter, ramasser, on peut lui laisser. Construit pas. Et il creuse pas. Et c'est un artiste. Alors, il faut que j'enlève l'autre artiste que j'avais mis là. Je l'avais pas mis un. Non. Lui est à niveau 3. Et lui est un niveau 5. Alors, on va voir ce que nous fait un niveau 5. Oh, on va ralentir un peu. Ouais, c'est pas top là. Il y a un manque d'électricité de partout. Oh, on va mettre un tableau ici. Un tableau là. Et un tableau là. Voilà. Alors, on va voir l'artiste ce qu'il va nous faire. On va peut-être les monter en 6 pour que ils soient faits assez rapidement. Ok. Alors, toilette en panne. Ah ouais, mais aïe 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 aïe. Ça va faire pipi de partout. Doit être vidé. Ouais, bah allez-y les gars, videz-les là. C'est bon. Il y en a un qui s'y colle. J'espère que personne n'aura envie de faire pipi pendant ce temps. Alors, il faut que la pression d'air augmente. Maë, il attend, il n'y a plus d'électricité. Alors, pour cette histoire d'électricité, pause. Je voudrais mettre des centrales à charbon. Il me faudrait deux centrales à charbon. Une qui prendra en compte toute cette partie-là. Une centrale à charbon, ça fait combien? 800 watts? 600 watts? 600 watts. Ouais. 600 watts. Donc, si je veux 600 watts, 240 et 240, 480, 600. Ah bah ça fait juste les trois là. Juste les trois là. Waouh. D'accord. Et là je suis à combien? 240, 360, 480. Ah ouais, je suis légèrement plus que ce que fournit la roulette. Bon, on va mettre. Comment on va faire ça? On va faire attention à pas dépasser 1000 watts. Donc, je vais. Allez, on accélère. On va descendre par là. Ah, le stress est à 15%, ça va.
On va creuser. Ah zut, c'est la nuit. On va creuser, on va descendre. Ici. Et je pense qu'on va. Ouais, on va faire sur 3 pour l'instant ici. Ça va tomber. Voilà. Et il y a pas mal d'algues ici là. Voilà. 2, 3. Ah, voilà. Il y en a un qui a fait un beau gâchis. On va vite nettoyer. Enfin, dès qu'ils seront réveillés. Voilà. Et voilà. Ah, il manque d'oxygène. Ça manque d'oxygène parce que je n'ai pas assez d'électricité. Un petit peu embêtant. Alors, en quelle priorité j'ai mis tout ça? En 7. Ok, bon les gars, il va falloir bosser un petit peu. On va mettre une échelle dans le coin. En 7 également. Par ici. Voilà, comme ça. Il y a personne qui vient là? Ils sont tous occupés. Ah, l'artiste, non, il n'a encore rien fait. Bon, on va le laisser travailler. Ça désinfecte, on en est où au niveau de la désinfection? Un petit peu là, hein. Oh là! Ah ouais, il commence à être un petit peu infecté. Il va falloir se laver les mains comme il faut, les gars. Est-ce qu'il va se laver les mains ici? Même pas. Waouh! Peut-être que c'est qu'il n'avait pas besoin de se laver les mains. Alors, plutôt que de faire comme ça, on va plutôt faire une échelle là-bas. En 7. Voilà. Comme ça. Allez, les gars. Personne n'avait creusé par ici, là. Ils n'ont peut-être pas envie. Alors, ça va produire du CO2, je crois. Ça émet du dioxyde de carbone. Ouais. Ce dioxyde de carbone, on le laissera s'accumuler par là, on mettra un air scrubber. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment pas assez nombreux, quoi. Et la production d'oxygène, c'est pas ça. Hein. Je suis en 6, mais il ne se passe rien, alors on va le mettre en 7. On attend la livraison d'algues, eh oui. Eh oui, quand il y a de l'électricité. Voilà, ils mettent de l'algue. Allez, il faut que les plantes s'améliorent là, parce que la nourriture, on est qu'à 22 000. Personne ne vient creuser ici. Alors ici, 1, 2, 3. Il faudra mettre une centrale à charbon par là. Ouais, on mettra un plancher et puis notre centrale à charbon, ben ici. Voilà. Ok, on mettra un plancher ici. Alors c'est un plancher dalle poreuse. Là. Et je l'ai fait peut-être un peu trop bas. Non, c'est bon. Voilà. Comme ça. Ouais, on va laisser comme ça. Il va falloir également creuser tout le reste, là. Je vais mettre un 7. Ici, on a de l'algue. On va en profiter. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est bon. On va pouvoir creuser ça. Et même jusque-là, ça fera un petit peu un apport d'oxygène. Voilà. Alors, les priorités. Il va falloir qu'on mette tout ça. Là, on rigole plus. On met tout ça à 8. Voilà. Et ça. Ça va être leur travail du jour. Quoique la nuit va bientôt arriver. Je vois qu'il n'a toujours pas fait les tableaux. Il est en attente de livraison de matériaux. Ok. Est-ce que j'avais mis Banni, tu fais quoi Banni? L'énergie, d'accord, Rambo. Ok. 2, 3... 4, ok. Voilà, faut vraiment qu'on fasse ça.
Et on va mettre même des câbles électriques à 8 également. Je vais les alimenter avec cette centrale-là. Je vais alimenter ça. Et dès que je peux le couper, je coupe à ce niveau-là. Voilà. Au niveau de la recherche, on en est au dernier, voilà, au dernier élément. Voilà, après on aura tout fait, donc on pourra virer les ordinateurs. Ça va libérer une roulette, je pense, oui, on va libérer une roulette. Donc ça nous libérera un personnage et on virera ça. Voilà, donc au niveau de la consommation, on sera pas mal. Bon, on va vite passer la nuit là. On n'est qu'à 12% de stress. Allez les gars, on y va. Tout est un 8 en bas. Ouais. Juste ça là qui ne sert à rien, un 8. Voilà. Creusez, faites votre job. En attendant, on va dire également un 8 en grès. De rajouter un. Je me suis trompé. De rajouter un petit bout. Pas celui-là. Si, on peut, puisque de toute façon, on fera un deuxième plancher. Voilà. Allez, les gars. Ah, ils viennent pas creuser. Oui, bien sûr. Ah, ben, ils passent pas de l'autre côté, parce que je vais d'ailleurs le mettre à 9. J'ai fait quoi, là? Ils creusent pas, là? À 9. Alors. Électrique sable, ben ouais, je voudrais enlever le sable moi si c'est possible là. Pourquoi je ne peux pas l'enlever? Parce qu'il y a le câble de devant. Alors on va effacer le câble et on va lui dire, je comprends pas pourquoi, voilà, de creuser ça, c'est important. On va remettre le bout de. Ah, j'ai plus de matériaux. Waouh, métal brut. Je n'ai plus de métal brut. Minerai de cuivre. Je n'ai plus de minerai de cuivre. Ok. Alors, il y en a plein pourtant là. Il y en a vraiment beaucoup là. Et je ne l'ai pas. Bon, on va faire une échelle à 9 pour aller chercher du grès, enfin du cuivre, pardon, voilà. Pas le choix. Et on va creuser un 9. Là. 1, 2. Je pense pas qu'il puisse tout atteindre. On va remettre une échelle ici. 1, 2, 1, 2. On va remettre une échelle là. Quoique une sur deux, ça sera suffisant. Alors une en bas. Voilà. Ok. Et là, on peut enlever celle-là et celle-là. Ok. Faites quoi, les gars? Allez, ma souris, reviens en arrière. Ah! C'est la nuit. Personne n'a fait pipi partout. Production insuffisante d'oxygène, bien sûr, c'est normal. On n'a toujours pas assez. Ah, non, il faut du cuivre. Il n'y a pas du cuivre tout proche. Hein. Il y en a bien un peu là-haut. Un peu ici, mais attention, quand je vais creuser là, il y a tout ce sable qui va tomber. J'ai peur que l'eau se foute le camp. On n'a pas de cuivre. Il n'y en a pas proche. Si, là-haut. Mais là, il y a du vide. Alors déjà que j'ai pas beaucoup de pression d'air ici, d'oxygène, ça va pas améliorer la chose. Allez, le scientifique qui vient pas finir là, non? Ah, si je pouvais me débarrasser. Ouais, mais je fais tout en même temps là. Voilà, ça y est. On récolte du minerai de cuivre.
Il va manquer un petit peu d'air, c'est sûr, mais... Un 9, on va creuser ça. On creuse ça. Voilà. Allez, on ramasse du cuivre. Il y a de la boue, je sais bien, mais... On la ramassera plus tard, ici. Ok. Lit au-delà de la portée. Bah ouais, je sais bien. Voilà. Allez, rentrez à la maison, les gars. Suffoque. 2. Ouais, ça va. Hop, on revient en arrière. Ok, ils ont récolté 4000 kilos carrément de cuivre. Donc maintenant, tout ça c'est bon. Il va falloir finir cette histoire-là. Ok, je m'impose, enfin je laisse passer le temps et je vous reprends dès que c'est terminé. À tout de suite. Bien, voilà, ils ont construit une centrale à charbon là, que j'ai mis en pause. Alors je vais la redémarrer. Le câble est fait, il faut juste que je coupe. Alors attends, comment on va faire? Électricité. Voilà, faut qu'ils remettent en route et je vais couper le câble ici. Voilà. Allez, que quelqu'un le coupe rapidos là. Parce que là, la pénurie électrique est embêtante. Voilà, alors j'ai pas mis de batterie encore, il faut absolument que j'en mette, c'est pour ça que j'ai laissé de la place ici et là. Zut. Ouais, ben on va faire comme ça. Je vais mettre 3 batteries. Et du câble électrique. Alors on va le mettre en 8 maintenant, on va ralentir un peu. Alors c'est la panique, je suis à 87% de stress. Oh là là, 5000 de nourriture, presque 6000. Ça a été un peu la panique là. Voilà, tout ça en 8. On fera des dalles perméables. Ah, il faut que je me fasse là quand même, sinon ça passera pas. Ah, c'est la nuit. Dalles poreuses. Ici, voilà. Ok, ils vont faire ça. Celui qui est en dessous, là, je vais peut-être réduire la... Je vais le mettre en 6 tout ça. Voilà. On va faire comme ça. Ça permettra qu'ils se concentrent sur ce qui est vraiment important. Waouh, ça a été chaud là. On peut également creuser ça en 7. Voilà, c'est pas gênant. Là, ils peuvent passer, d'accord. Alors, c'est un peu crade de partout la base. Hein. Il m'a fallu... Ouais, je vois encore. Ils ont besoin de... Pourquoi il n'y a pas d'électricité là? Ah, ah, pause. Voilà, l'eau est polluée de partout, là. Il y a du sable qui est tombé, là, qui empêche de faire fonctionner le truc. Oh là 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 là. Eau polluée, eau polluée, eau polluée. Ah, mais je l'ai fait un... Oh. Oh là 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 là. Allez, vite, quelqu'un vient de nettoyer l'eau, là, parce que... Ça va pas vraiment bien là. Ça y est, la centrale est repartie. Donc là où ça doit fonctionner. Ouais. Voilà, ils ont nettoyé le peu d'eau polluée qu'il y avait. C'est très bien. Ici, il y a encore un beau gâchis là. La recherche. C'est pas terminé la recherche? 35 sur 40. C'est pas terminé encore. Alors, comment on est au niveau électrique? Je vois que pourquoi le frigo il manque d'électricité là. 120. 2. 4, 580, je suis à 580 watts, ça devrait fonctionner, on a du charbon et tout, là. Et ce truc-là, il faut pas qu'il tombe en rade de charbon. Il faut vite faire les batteries, les gars, là. C'est vraiment la priorité, quoi. Fais un beau gâchis. Allez, c'est la panique. Oh là 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 là. Je sais que j'ai un nouveau duplicable, mais là, pour l'instant... Vomissement de stress. Ah oui, tu m'étonnes. Oh là là là. Allez les gars. Voilà, allez vous faire masser 100% de stress dans la base.
J'ai un nouveau duplicat, mais on va peut-être pas le prendre encore. Hein. Du coup, ils font pas ça. Ah là 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 là. Allez, on va peut-être y arriver un jour. Oh là, la base se remplit de gaz naturel, de dioxyde de carbone. Très peu d'oxygène. La nourriture, on a quasiment plus rien. Vomissement de stress, ça continue. Ah ouais, là-haut, il gerbe. Oh là là là. Bon. Au niveau infection, on doit... Oh, ça va. Bon, alors on va laisser tomber l'histoire de vomissement, là. On va se concentrer sur... Ça, le pleur, banni. Ah ouais. Là, on est à 9. Oh là 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 là, ça y va de partout, là. Ah, ma roulette est en 7. Celle-là est en 6. On va la mettre en 7 également. Ça gerbe de partout, les amis. Waouh! Elle pleure là-haut. Pourquoi ils ne vont pas? Ah ouais, parce que j'ai pas assez d'électricité. Hein. J'ai pas à dire, j'ai pas assez d'électricité. Il va les pieds dans l'eau. Cette roulette-là, finalement, ne me sert plus à grand-chose. Voyons voir. Attends, on va ralentir, là. 120. 240. Ah ouais. Alors, je vais coupler celle-là avec l'autre là-haut, là. Parce que sinon, ça va pas. Bien sûr, je vais le mettre à 9, ce qui ne m'arrange pas trop. Par où je vais passer? Ah, c'est provisoire et temporaire, hein, donc... je pense qu'ils n'y arriveront pas, là. Ça va être inaccessible. Non. Non, c'est pas inaccessible. Et je vais couper... je vais couper le câble. Alors, où est-ce que je vais le couper? Ben, là. Ouais, je le coupe là. Bon, allez les gars, là. Oh là 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 là. ...77% de stress, ça va, c'est bien retombé. Ils sont en train de faire les batteries, là, ça serait bien. On va les laisser un peu tranquilles, et même s'ils ont les pieds mouillés pour le moment. Parce que la priorité, là, c'est de finir les équipements, quoi. Là, je suis en priorité 9. Personne ne vient le faire, bien sûr. Parce que tout ça, c'est en priorité 9 aussi. J'aimerais bien qu'ils activent au niveau des batteries. Qu'on puisse un petit peu stocker de l'énergie, quoi. J'ai un nouveau duplicat, je sais bien, mais en bouffe, j'ai 0. Ah! Ah! Alors, on va mettre 8. 8. Je n'ai qu'un cuistot. Pénurie alimentaire. Je sais qu'ils sont stressés. Bon, on va voir, hein. Allez les gars, on passe la nuit là si on peut. Allez, on y va les gars. Tant pis si vous avez les pieds mouillés. Oh là là, 0 kilocalories. C'est qui les cuistots là, les gars, là, putain. Cuisine, il n'y en a qu'un. Ah. Bon allez, on va mettre lui aussi là. Énergie, c'est AB. Ouais, allez, on va mettre 2 cuistots là. Je sais bien que j'ai un nouveau duplicat disponible. On va voir qui nous envoie. Est-ce qu'il y aurait immunité science? Créativité 5. Cuisine 1. Cuisine 0, cuisine 0. Bon. C'est un scientifique, on n'en a plus vraiment besoin. Immunité, créativité. Petite vessie. Mangeur compulsif. Ah non, là, on rejette et on verra bien plus tard. Voilà. Les batteries vont commencer à se remplir.
Allez, après on sera tranquille, je vais baisser la priorité, ouais, elle en est en 6, je vais tout remettre en 5, voilà. Histoire que on se consacre à autre chose, là. Allez, les gars. C'est bon, il faut un petit peu de nourriture, je vois que ça remonte tout doucement. Tiens, qu'est-ce qu'il fait, là? Il ramasse un bout de sable, voilà. Fais un beau gâchis, ben voyons. Vas-y, mon gars. Vous gênez pas, faites comme à la maison, faites pipi partout. Alors là, on peut dire qu'ils ont marqué leur territoire. Stressé, 90%, mais ouais, il n'y a pas d'électricité là. Allez, qu'ils finissent ces foutues batteries. Et après, on est peinard. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Au niveau priorité, qu'est-ce qu'il y a d'important ici? Ok, c'est trois bouts de câble là-haut. Ils l'ont presque terminé. Je vais mettre en 5 ça. Ça presse pas. Ça y est, quelqu'un va la finir la batterie. Ah là 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 là. Il ramasse de la boue pour faire à manger. Ça vomit encore de partout, mais tant que ça tombe pas dans l'eau, à la limite, je m'en fous un petit peu. Allez, un petit bout ici de... Voilà. Donc ça, on va pouvoir le mettre en 8. Voilà, et ça permettra d'alimenter en permanence un petit peu les tables de massage. Le stress est à 100%. La nourriture, très peu. Il se lave les mains, c'est bien. Tout ça, ça manque d'oxygène, bien entendu. On est en 7. Bah, il va se faire ramasser parce que c'est le cuistot. Il est stressé. Bon. On va peut-être... ouais. Il n'y en a pas un qui pourrait faire davantage d'énergie, là. Otto, le scientifique. Ah ouais, mais j'ai pas fini encore la science. Oh là là, 35-40, ça bouge pas. Ça bouge pas, ça bouge pas. Allez, quelqu'un pourrait... Ils attendent de l'eau, là de la boue. Ça y est, ça y est. Ah. Ada, elle est en train de faire un pipi là-bas. Ah ouais, elle fait la gueule là. 100% de stress, vomissement de stress. Oh là 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 là. Ada, 100%. Ouais, tu m'étonnes. Je vais pas te faire masser, Ada. Il y a que deux tables de massage, je sais bien, mais... Ah, la batterie là, elle tient vraiment pas le choc, quoi. Allez, la nourriture, je vois qu'il est en train d'en faire. Famine. Ouais. Une barre de mush. Il la mange. L'oxygène remonte un tout petit peu. L'important, c'est qu'ils amènent du charbon, là, qu'on n'arrête pas l'électricité. Ça y est. Je crois que là, ça y est, c'est bon. On a terminé toute la recherche. Waouh. Alors, on va pouvoir démolir ça. Démolir ça. Ah, c'est la nuit. Dommage. Donc, quand on va démolir ça, on aura 400 watts pour alimenter juste 120 ici. Ouais, on va faire comme ça. Et à la limite, je pourrais le relier là-haut. J'ai combien là? 240, 480... 540 watts en tout. Et si je rajoute une table de massage, oh là, c'est énorme les tables de massage. Ça ferait presque 800 watts. Voilà, on détruit les appareils. On n'en a plus besoin. Impec. Il doit y avoir deux petites prises électriques là qu'on va virer. On va les virer voilà. Ici et là. Ça permettra éventuellement de récupérer du cuivre. Ouais. Donc, ces trucs-là, on n'en a plus vraiment
utilité, non? Il y en avait un, il me semble que je n'en ai plus besoin. À 620 watts, là j'en ai besoin. Quoique je pourrais le raccorder à celui-là. 5, j'ai dit quoi? 240, 360, ouais, c'est bon. Ouais. On va faire comme ça. Alors j'ai vu que c'est un peu la panique là au niveau de l'eau polluée, mais tant pis. Voilà, on va raccorder ça et on va détruire la roulette. Paf. Alors, quand ils l'auront fait, on va vite se consacrer. Waouh. Tout est hyper pollué. Personne n'a détruit la roulette là. Allez, on le met neuf. Voilà, très bien. Donc on tourne avec 800 watts, deux personnes, et du coup ça va libérer eh ben, des gens pour nettoyer. Il va falloir faire un gros nettoyage. Bon, pas aimé. Mais il faut qu'on rende ça propre. Allez les gars. Voilà, zéro en nourriture, pénurie alimentaire. La batterie, les batteries au charbon, là, ça fonctionne. La centrale au charbon. On va aux toilettes, il faut que j'en fasse d'autres toilettes quelque part, parce que là, c'est un peu craignos, quoi. Bon, on va les laisser nettoyer. je vous reprends un peu plus tard pour la suite des aventures. Bon, je pense qu'on va arriver à stabiliser, hein, mais ouais, c'est pas évident, hein. Ils ont changé quand même la difficulté du truc. Je vois qu'on n'est pas vraiment con. Si, un petit peu de contamination un peu de partout. Là, il faut faire extrêmement attention là aussi. Il va falloir que je rajoute des lave-mêmes parce que il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème. On est 7 duplicants, 86% de stress, mais ça va baisser. Je vois que les tables fonctionnent. On va dire à l'artiste là qu'il se bouge un peu les fesses pour améliorer tout ça. Et il faut que la nourriture se fasse. Le hatch là, je sais pas ce qu'il est en train de manger, mais j'espère qu'il n'a pas mangé de la nourriture, sinon on va lui faire sa fête. Bon les amis, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de cette colonie. Ça devient un peu plus critique. Allez, un petit like si vous avez apprécié. N'hésitez pas à marquer des commentaires. A plus, ciao, ciao.